Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, Jésus le ressuscité, le Dieu vivant? Alléluia! 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 Amen! Alléluia! Amen! Je veux que tout le monde se tienne debout. Amen! Voilà. Lui que je vais te présenter, il est un instrument entre les mains de Dieu. Il est celui par qui Jésus a choisi d'opérer ton miracle. Il est le Moïse, si je veux m'exprimer ainsi, pour t'apporter le miracle de Dieu. Alléluia. Celui-là, il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer tout fort? Tout fort. Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le prophète Joël Grasso.
Il a dit qui? Amen. Elle est venue dans un état de folie très grave. Elle était enchaînée. And then she got chains when she came. Ça fait deux semaines, c'est fini. So est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est la jeune fille qui est enchaînée là, dehors. Ça va? Are you okay? What's your name? Podio Ndesson Priska Pigeon. Podio Pigeon. Ça va? Are you okay? La conscience, il y a la conscience, il y a la conscience, il y a de folie très agérée. On l'a dépêché de San Pedro. Matt, on l'a mis dans des chaînes. Came from San Pedro. Elle arrivait ici. Chained, the way she came here. Elle était agressive. She was aggressive. Mais la voici aujourd'hui. Look at her. Est-ce qu'on peut prendre Jésus? Ça va? Elle dit quoi? Très bien, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Très bien, papa. La conscience, il y a
You did it. Yeah. On acclame Jésus. Jesus is so marvelous. Amen. Amen. Qui la reconnaît? Qui la reconnaît? Who knows her? Who do you have? C'est un miracle. It's parfait. It's a real miracle. C'est son appel Jésus. That's what Jesus is. Tu étais dans les chairs. Tu étais nu. You were in chains. Tu insultais tout le monde ici. Injuring everybody. Tu dormais pas. You didn't even sleep. Parler mal à tout le monde, moi-même m'insulter. Voici le résultat. Here is the result. Tu as quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Et donc, si c'était pareil, voici la puissance de Jésus. Here is the power of Jesus. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité sur les esprits. The power. Oui, Jésus est puissant. Il dit, à mon nom, vous chassez les démons. Dieu est puissant. God is powerful. Amen. 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 Whoa!
Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Et son nom est bon. Alléluia. Amen. Dis à quoi quelqu'un, Dieu est bon. Et son nom est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Il nous a délivrés de la mort. Il nous a protégés. Tout ce que nous pouvons faire ce dimanche, c'est de lui rendre la gloire. We have to do this today. Oui. Say thank you. Amen. Alléluia. Devant Dieu, nous ne sommes rien. In front of God, we nothing. Tu as quelqu'un devant Dieu, tu n'es rien. Say to your neighbor. In front of God, nothing. Amen. Amen. Donc, dans le temps du Seigneur, ce que nous devons faire, c'est de glorifier son nom. We have to glorify. Il n'y a pas de grand ici ce soir, ce matin. C'est Dieu qui est grand. Only God is great. Il s'agit, tu t'es dormi, tu t'es réveillé en bonne santé. You wake up. Il faut lui rendre toute la gloire. We have to give that glory to God. Ah oui, c'est une grâce. It's a grace. C'est parce que tu es fort. Not because you're fort. C'est lui qui rend les gens grands. C'est ça que David avait l'habitude de s'humilier. Lorsqu'il a vu l'arche de l'Éternel entrer en Israël, c'est fort, la présence de Dieu. The Lord entering Israel. Les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils sont venus le mettre dans le temple de Dagon. Put it in. Et le matin, j'ai constaté que la statue Dagon s'est prosternée devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et les mêmes Philistins ont demandé au peuple juif de venir prendre l'arche de l'Éternel. Quand l'arche de l'Éternel entrait en Israël, on a vu David danser comme un enfant. Après même de s'enlever, David était un grand roi. Toi, tu n'es rien. Il faut danser la gloire de Dieu. Il s'agit de nous souvenir. Vous savez, l'ingratitude, c'est un péché. On se lève maintenant, on dit même pas merci au Seigneur. C'est comme si Dieu était ton père. Don't even say thank you to God. Et puis on est étonné que les sorciers nous attaquent. And then we are astonished. Souvent, je suis chez lui, je vois les gens, je n'ai rien fait. Tu as fait quoi? Sometimes I'm really surprised. Sorcier doit te manger. Parce que tu n'as pas Dieu comme protecteur. Because you don't have God as a protector. Et tu es étonné que sorcier t'attaque. You're astonished when you attack by oui. Sorcerer. Le fait même de te lever matin. En fait, et d'être même dans la présence de Dieu, vous êtes venu dans toute la gloire. Tu n'as pas besoin de l'argent. L'or et l'argent appartient. God even doesn't need gold and money.
Amen. Ce que la Bible dit. That's what the Bible says. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Glory becomes. Vous avez remarqué tout ce qui fait, ça cause de l'orgueil. Si tu vois que quelqu'un, Dieu précipite une personne, if Dieu permet qu'on t'arrache même la gloire, ça cause de ton orgueil. Parce que tu ne reconnais pas Dieu dans ce que tu fais. If you don't recognize God, tu n'es pas à cette place parce que tu voulais être là, c'est parce que Dieu t'a envoyé là. Et tu n'as pas pris le soin de lui dire merci. You donc il a permis au diable de te rabaisser. They're coming down. Hello. On va chanter ça un peu. Je vais vous dire merci. Say thank you. Jésus. On va dire merci à Dieu. Si tu as regagné, il faut t'asseoir. Comme tu es plus grand que Dieu. Un miracle très pathétique. Où est le papa? Have a miracle here.
On va revenir encore sur le témoignage. Let's come back on this testimony. Ça va? La rencontre prophétique. Prophétique au médecin. Le papa là au village. On va vous expliquer ce qu'on voit. In the village.